Salut les amis, c'est Nat Daily, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon ben voilà, actuellement on va pêcher au feeder avec le poteau Philippe, donc de la chaîne TP Pêche. Et en fait, tu vois, moi je dis que je suis en haut, j'arrive, il raccroche, et comme il raccroche, il fait un poisson, c'est pas beau ça? J'arrive quand même un peu, tu vois, ce que c'est. Ah, ça fait longtemps, putain, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Ça, c'est bon, ça. Oh, putain, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est impressionnant. Ah, ça n'a rien à voir avec les pêches à carpe. Traditionnel. Je te régale. Ah ouais. Le frein, je touche pas là. Ah putain, ça c'est bon ça. Allez, check dans 5. Génial. Génial, génial. T'as les balles là? Les balles? Le franchement? Okay, j'avoue, à peine j'arrive, je commande un poisson. Oh, t'as les balles là? Belle petite commu là. Tiens. Les balles. Voilà, putain nickel, trop belle. Et voilà. La graduation intérieure. Regarde là, t'as 3 kg 9 et on arrivera le tapis, on pèsera juste le tapis. Un système de lancif aussi pour amortir les chocs. Ça, tu l'as aussi. Oh non, génial! Dans la tige en fait. Voilà. Genre dans la tige, t'as un. Tête, en fait. Donc, tu peux pêcher trop bien. Plus fin. Et... Ok. Bon, ça peut casser aussi. Ouais. Donc. Tu vas mettre un petit tapis d'amorce sur. Comme ça, sur ton hybride. Donc là, je mets l'amorce dessus? Ouais. Tu peux. Tu peux y aller encore un petit peu. Faut casser la tige. Faut vraiment casser la tige. Ok. Là, tu prends tes doigts, tu tasses, tu aplatis un truc, tu pèses bien fort. Voilà. Tu prends ta boule, ouais. Avec le plomb, tu mets les deux à l'intérieur, comme ça. Essaye de mettre la boule au milieu. La boule aussi? La boule au milieu. Ouais. Ça aussi dedans ou pas? Non. Ouais, le mieux c'est ça, mais après c'est pas très grave. Si là c'est bon comme ça? Ouais. Tu appuies, tu reprends la morse et tu recouvres la boule. Tu fais un autre tapis au-dessus en fait. Et là tu fais un tapis plus gros et tu recouvres tout. Ok. Faut plus qu'on voit la boule en fait. Et dans l'eau, en fait, quand elle va décoller, elle va se mettre juste comme ça au-dessus de la morse. D'accord. Tu sais que chez moi, c'est peut-être plus pratique comme ça. Après, tu envoies la main tout à ça. Ouais. Et ça va gonfler dans l'eau, en fait. Ça va faire un nuage de pelettes. À la fin, tu tasses bien pour que ça tienne quand tu vas lancer. Tu appuies franchement, tu vois. Quoi, je peux aller franco. Ça va assez. C'est bon comme ça, là? Ouais? Ouais. Ok. Et là, après là, tu lances où tu veux. Alors moi, je te disais, tu lances. C'est du 28 grammes, donc tu lances la balle. Le plus près de l'autre berge. Ah putain, là, ça va être rigolo par contre. Alors fais gaffe, les branches. Oui. J'essaie de lancer le plus près de l'autre berge en face, mais pile pas l'autre. Ah oui, d'accord.
Ok. De mettre la pression. D'accord, ouais, juste histoire de mettre bien la pression, c'est ça. Donc c'est ma première fois au feeder, donc soyez indulgents. Hop. Je suis parfait là. Encore. Ouais. Et je la pose là. Et après, quand tu es au combat, tu sers. Ok. Moi, j'ai un débrayable, donc ça sert tout seul. Lié ? Ouais, c'est vrai. On est lié, en fait. Non, non, ça c'est sûr, c'est pas possible, c'est bon. Yes. Allez. Poisson. Ça a été énorme. Énorme, les gars. Bon, mais voilà, les amis, c'est la fin de la session. Du coup, c'était une première pour moi au feeder. Merci Phil, parce que je me suis régalé. Y a pas de franchement. Il m'a, il a pu montrer un peu ses techniques, comment faire. Bon, au départ, c'était un peu compliqué. Ouais. Après, j'ai trouvé des similitudes quand même avec la pêche à la carpe, parce que moi aussi, je pêche beaucoup la carpe. Non, mais franchement, je me suis régalé. Du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu pêches à la carpe et que tu passes au feeder, tu as des techniques aussi de lancer, pour être précis, pour toujours lancer sur le même spot. T'as la technique aussi de ferrer pour amener ton feeder, pour laisser quand même le maximum d'amorce sur le côté et ne pas l'étaler partout. Ouais, putain. Donc c'est plus facile quand même d'apprendre à quelqu'un à pêcher au feeder quand il a commencé par la carpe. La carpe, ouais. Plutôt que d'apprendre à quelqu'un qui a pêché couleur, Amish. Petit clin d'œil Amish. Voilà, ouais. En tout cas, je suis content que ça t'ait fait plaisir. Bah, franchement, je me suis régalé. Bah, la prochaine fois, j'arriverai un peu plus tôt. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Ah, parce qu'en fait, voilà. Il devait être là. Quoi, midi, midi ouais. Nuit, il est arrivé à 13h30. Quoi, 14h. Ouais, bon, voilà. 14... il est arrivé, j'étais déjà sur un poisson. Ouais. En plus, j'arrive, comme vous avez pu le voir, pile poil, il fait un poisson. Génial. Alors, du coup, lui, il aura fait deux poissons, il aura fait deux carpes et deux belles. Parce que la deuxième, elle faisait 5 kg et quelques, 5 kg 5 à peu près. Ouais. 5 kg 5. Deux communes. Donc, franchement, avec un combat de ouf sur la deuxième. Ouais, bah, elle a remonté tout le courant. Et moi, je fais mon poisson. Enfin. Bon, techniquement, on était en train de défaire sa carpe et j'envoie la canne. Ding, ding, ding. Je sais même pas comment j'ai fait pour l'avoir en plus. Je sais même pas. Je sais même pas. On doit m'entendre dire oh, poisson, poisson, poisson. La canne est baladée. Et en fait, je vais le faire et j'ai fait un carassin. Voilà. Je fais un beau petit carassin. Ouais. Du coup, je suis dépucelé du feeder. Mais bon, techniquement, je veux ma revanche. La prochaine fois, je te lance un petit défi. On fait une session ensemble au feeder avec un gros poisson. Enfin, ouais. Gros poisson. Techniquement, moi je recherche la carpe. Donc, une belle carpe. Allez. C'est avec bon un départ comme il faut. Avec un tout. Départ comme il faut et tout. Ça marche. On est bon? Allez. Bon, bah, génial. Allez. On fait ça. Bon, les gars, n'oubliez pas,
abonnez-vous à sa chaîne, donc lui TP Pêche, je vous mets le lien du coup en description, ainsi que le petit logo à la fin de la vidéo pour vous abonner en cliquant juste dessus. Et du coup, bah, si vous avez pitié, faites-le pour moi aussi. Hein. Non, allez voir ses vidéos du coup sur sa chaîne, ça déchire. Bon allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt les amis. Ciao. Ciao les gars.